Yo tout le monde, on est trop content de vous annoncer que notre nouvel agenda et notre nouveau cahier de texte sont disponibles dans toutes les librairies. Pour cette année, on vous a préparé un max de nouveaux gags. Et même des FAQ, des jeux et des stickers encore plus stylés. J'ai aussi le grand plaisir de vous annoncer que mon coffret papeterie Sophie Fantasy est en vente dans toutes les librairies et sur sweoshop.com. Pour chaque commande sur sweoshop, vous recevrez une photo dédicacée en cadeau. Vous pouvez retrouver sur notre site sweoshop.com tous nos articles pour la rentrée des classes. Hello les garçons! Yo tout le monde! Comment ça va aujourd'hui? Ça va super! Et vos familles, vous allez bien aussi! Oui, on espère que tout le monde va bien. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? C'est un grand jour! Car aujourd'hui, on va encore nettoyer notre piscine sale! Et surtout, enfin! Bah oui, j'avoue! Ça nous est demandé depuis des semaines! Mais oui, il était temps quand même, là, au bout d'un moment, faut qu'on se bouge, Swan! Ouais! Vous êtes prêts pour ça? Ouais! C'est parti! Est-ce qu'il y a encore plus de travail que les autres années? Oui! Oui! Oh là là! Pourtant, on avait mis la bâche tout l'hiver, hein. Mais ça n'a servi à rien. Qu'est-ce qu'on a cette année dans la piscine? On a des algues, des insectes morts, des araignées d'eau, des bébés araignées d'eau. On a quoi d'autre, Swan? Des armoires. Quelques moustiques aussi, petits bonus. Plein de trucs sympatoques. Et surtout des feuilles et des algues. Et vous pensez que vous allez réussir à en venir à bout? On sait pas. On va se motiver, on va se donner le courage pour y arriver. Et ben voilà, on va tout tenter pour que la piscine redevienne à peu près bleue. Exactement. À peu près. Et propre. C'est parti? C'est parti. Alors on commence par quoi? Moi je te propose que je commence par nettoyer les algues qui sont sur le bord. D'accord. Ça me paraît être un bon début. Tu vas brosser? Ouais. Et toi, Néo, pendant ce temps-là? Moi, je vais chasser les feuilles. Ok, chasseur de feuilles. Allez, c'est parti. Allez, on démarre. Allez, c'est parti. Tout le monde est très motivé. Ouais. Tout le monde a surtout très envie de se baigner dans de l'eau propre. Donc, soit nous, il frotte. Par contre, ça part pas du tout. C'est abusé. Là, tu vas enlever le plus gros. On fera après avec des produits, mais pour l'instant, on démarre de façon naturelle. Et Néo, alors, est-ce que la pêche est bonne? La pêche est bonne, regarde. Tadam! La prise est sympa. Ah, c'est horrible. C'est un bon début. Allez, on va mettre ça dans la brouette. Ça donne faim, hein. Les épinards. Ah ouais, dis donc. Bonne salade. Allez. Alors, est-ce que ça grouille? Oui. Ça a l'air de bouger un peu par endroit. Hein. Attends, effectivement. Non. Là, ça bouge, non? Pourquoi ça bouge là-bas? Ça semble étrange. Alors, Néo continue à ramasser de la salade. Je vais commencer par prendre toute la surface là. Salade et épinards. Ouais, il y a ce qu'il faut, hein, regardez. C'est hyper lourd. Bah oui, parce que en surface, il y en a beaucoup. Et puis, alors en profondeur, c'est encore pire. Allez, c'est parti. Ouais. On a pour un petit moment. Et de la salade. Ah, mais doucement, ça met partout. Ah, c'est immonde. Hein. Oui. Alors, vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent la vase. Je crois que c'est pire que les autres années. Hein. Ouais. On est encore plus attendu et ça sent encore plus mauvais. Non mais par contre, j'arrive pas à enlever les algues. Mais si, tu vois pas la différence? Regarde. Si, j'en ai enlevé un petit peu. Ah bah oui, si, quand même. T'as déjà avancé. Mais si, regarde, bravo. Bah ouais, tu t'en sors bien, mon loup. Vraiment, c'est super dur, les algues. Ah bah c'est sûr, elles se sont incrustées là pendant l'année. Hein. Bon d'abord, je vais partir de là et je pense que quand j'aurai fait tout la piscine, je vais prendre une mini pause. Allez, un peu d'huile de coude, ça va bien se passer. Déjà dans les finitions en fait là. C'est-à-dire? Bah tu fais vraiment l'angle de la marche et tout. Attention, ça rigole pas avec soi, non? Non, t'inquiète, après je vais faire les marches. D'accord. C'est juste un petit bonus. Bon alors aussi, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais l'eau de la piscine elle est un peu basse. Le volume il est un peu diminué. Donc on va tout d'abord évidemment remplir la piscine. Alors on met un petit peu plus d'eau tout simplement pour que l'eau atteigne les skimmers là-bas au fond et que ça permette de remettre en route la filtration. Non. Oh pardon, Allez, hop. Par contre, ne laisse pas tout seul, hein, tu dois tenir ce tuyau. J'essaie de tenir, mais il bouge comme un fou. Allez Néo, c'est le combat contre le serpent tuyau. Blague, c'est une torpille. Non. Il faut le caler en fait. Ah. Je vais attraper. Et voilà. Bon, c'est pas arrivé quelques fois, mais tranquille. Ok, là je crois que c'est good. Mais alors pour attraper les feuilles qui sont au fond, comment tu vas faire s'il y a le tuyau? A mon avis, c'est pas ça la technique, Néo. Hein. Non, mais faut le caler, faut faire autrement. Attends, mon frère, remet partout. Mais je crois qu'il faut le caler avec une pierre, tout simplement. Bah, avec un truc lourd, faut quoi. Yes. C'est bon, on le maîtrise. C'est
la bestiole. Ouais, c'est bon. Finalement, t'as trouvé une solution incroyable. Ça va, ça va. Bon, bah, on a juste enlevé l'embout, quoi. Soit nous, il est à fond et il avance bien. Regardez ça. Il a déjà nettoyé la moitié de ce bord-là. C'est bien, mon chat, c'est bien. Allez, Néo, il continue. Donc, vous voyez un petit peu l'état de la piscine. Oui, effectivement, il y a du travail. Toute la famille est à fond pour nettoyer la piscine. Et même moi, j'aide un peu. Assise. Assise sur le bord avec la brosse. Allez, on continue à ramasser les feuilles. Donc, on démarre avec la surface déjà. Après, on plonge. Et puis, quand on plonge, ça en ramène d'autres à la surface. On s'amuse un moment quand même. Hein. Mais il y a un côté satisfaisant. Et surtout, le résultat fait trop plaisir. Alors, faut savoir que les autres années, on met environ une semaine pour nettoyer la piscine. Et elle n'est pas aussi sale que cette année. Hein. Mais là, on n'a pas une semaine, on a seulement 4 jours devant nous. Puisque dans 4 jours, on a du monde qui vient. Et on a prévu de profiter de la piscine. Je suis pas sûre que ça leur plaise de se baigner là-dedans. Donc du coup, est-ce qu'on va y arriver en 4 jours? Ouais. Swan, tu crois qu'on peut y arriver en 4 jours? Je sais pas, mais on espère. Oula, la brouette est habitée. Hein. Vous avez vu que ça bouge? Oh là là, ça grouille de partout. J'en ai pas joué les rabat-joies, mais c'est déjà plein. Hein. Il va falloir vider la brouette déjà. Bon allez, on va aller vider la brouette. Ouf, comme c'est lourd. Mais c'est surtout qu'il y a beaucoup trop d'eau en fait. Ça stagne à mort. Ok. Ok, au secours. Allez. Oh, j'ai trop peur. C'est déçu, hein. Mais attends, c'est impossible en fait, c'est impossible. Oh, c'est hyper glissant. Regardez que je descends. C'est même pas un petit quart de ce qu'il y avait dans la brouette de base. Wow, regardez comme il est efficace, Néo. Wouhou ! J'en ai ramené, hein. Et voilà. Allez, on met tout ça. Ça y est, première descente de brouette. Regardez dans quel état est l'escalier, sérieux, j'ai fait n'importe quoi. Mais frère, parce qu'il y avait beaucoup trop de liquide, en fait. Donc ça stagnait, ça tombait partout. Aïe, 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 c'est pas facile, hein. Ça y est. Bon, l'étape hyper importante, c'est les skimmers. Regardez ce bazar. Ah, ah bah non. Ils sont complètement à sec. Oui, forcément, il n'y a plus d'eau. Ah ouais, mmh. Ah, la surprise. Il faut vraiment enlever les feuilles. Et puis surtout, avec l'eau qui est en train d'arriver dans la piscine, petit à petit, les skimmers vont pouvoir reprendre leur fonction. Ouais, c'est ça. On ne casse pas ça, ne force pas, ne force pas. Allez, donc du coup, Néo, bah, il se charge d'enlever toutes les feuilles. Bah hein. Voilà, écoute, hein, let's go. Dans la joie et la bonne humeur. On passe au deuxième skimmer. Alors lui, à l'époque où il y avait de l'eau dedans, il s'est bien bouché. Pourquoi il y a une plaque de métal? Ça a aucun sens. Ok, donc là en fait il y a beaucoup de feuilles, mais tout est sec. Allez, c'est parti, j'ai pas mal de boulot. Et je vous montre ce que ça donne au niveau des parois. Regardez ça, donc là bien sûr ça reste encore sale. Ici aussi, voilà. Mais regardez en face, la partie que Swanou a nettoyée. Regardez, la différence entre ici et là. Bravo, bravo. Merci. Petit Swan. Et regardez qui nous rejoint. Ah, alors c'est Bob, il s'appelait Bob ou pas? Je me souviens plus. C'est sûr? Je me souviens plus si on l'avait appelé Bob ou Michel. Je me souviens qu'on l'avait appelé Bob. Alors Swan dit Bob. Néo, tu te souviens comment on avait appelé le robot? Je crois que c'est Bob, mais je suis pas sûr. Néo dit Bob aussi. Bon, vous nous dites dans les commentaires, parce que bien sûr la vidéo de l'année dernière, vous l'avez vue et revue. Et vous nous dites dans les commentaires comment s'appelle le robot. Lui, on le mettra en route demain et il va nous être d'une grande aide aussi. Hop. C'est parti. Alors attention, l'ultime moment, la grosse marche. Allez, petit voyage jusqu'à la brouette. Allez, c'est bien mon chat. Effectivement, il manque beaucoup d'eau parce que normalement, cette marche-là, elle est sous l'eau. La deuxième brouette se remplit bien déjà. Et ça grouille toujours autant. Bon, cette fois-ci, on attaque sérieusement la marche à la brosse avec un petit peu de produit. Oh, oula, ça va? Voilà. Allez, on en enlève encore. Du coup, Greg a pris le relais pour frotter les parois pendant que Swan s'occupe de la marche. Néo continue à ramasser les feuilles. Allez, ça prend forme. Alors, est-ce que tu vas réussir à faire réapparaître une jolie marche? Oui, ça commence à changer de couleur. Oh, regarde, tout blanc. Ouais, magnifique. Yeah, ça commence à être vraiment joli, mon chat. Wow, bravo Swanou, c'est trop beau. Ouais. Magnifique. Tiens, si tu veux aussi, tu peux attaquer là, regarde. T'as vu le bord là? Oui, ça, du coup c'est qui, non? Bon, moi c'est bon, je me suis rincé. Ah, super, Swan. Voilà, Swan il est propre. Néo, je pense qu'il a hâte d'aller prendre une douche aussi. Oh, okay, oui. Donc là, il fait bientôt nuit. On a un bout de coucher de soleil derrière, je pense qu'on va le voir. Alors regardez ce que ça donne. Bon, évidemment, on voit pas bien la différence pour l'instant. Mais en vrai, ça a bien avancé. Coucher de soleil, oui, voilà, on le voit un petit peu quand même. Et pourtant, il est joli, hein, mais il ressort pas très bien en vidéo, c'est dommage. Donc la piscine, bah, pour l'instant, évidemment, elle a toujours la même couleur. Il y a moins de feuilles quand même, hein. Ouais. C'est bien plus propre que tout à l'heure, bravo. Hein. On en est déjà à la deuxième brouette pleine. Ouais. Par contre, on ne peut pas mettre les produits pour l'instant, parce qu'il n'y a pas assez d'eau. D'accord, donc on va attendre demain. Alors, soit demain, soit après dîner.
Bon, on avait dit qu'on allait mettre les produits après dîner, sauf que là, il n'y avait pas assez d'eau pour les skimmers. Du coup, là, on est demain matin. Voilà. Et cette fois-ci, il y a assez d'eau. Enfin, même pas trop. En fait, on stresse un peu, on sait pas trop comment ça va se passer, mais on a rempli la piscine toute la nuit et c'est toujours pas au max. Bizarre, hein. Ça a même pas débordé. Et bien, il faut voir si les skimmers sont en eau. Alors, on va voir ça. C'est eux qui vont nous donner le feu vert. 3, 2, 1. Yes! Let's go! C'est quoi tout ça là? C'est quoi ce truc? La piscine est en fait une nurserie géante pour moustiques. C'est une garderie à moustiques. Il va falloir vite mettre les produits pour nettoyer tout ça. Donc là c'est bon, il y a assez d'eau. D'ailleurs vous avez vu dans la brouette en parlant de moustiques? Attends, quoi? Non. Vous voir l'écosystème. Donc maintenant que c'est calme et que c'est resté toute la nuit au calme. Donc il y a des vers, il y a des larves. En tout cas il y a du monde. Hein. Allez, prêt pour les produits? Ouais. Et voici l'état de la piscine aujourd'hui. Alors, bon, effectivement le niveau est un petit peu monté. J'ai l'impression que c'est un peu plus clair. C'est plus clair qu'hier, effectivement. Bah déjà, il y a moins de feuilles. Hein. Ouais, on en a eu beaucoup quand même hier. Ce qui avait été nettoyé se restait à peu près propre. Et puis, elle est plus claire parce qu'on a rajouté de l'eau aussi. Hein. Ouais, quand même. Voilà. Voici le matos pour nettoyer la piscine. Alors, on a tout d'abord des anti-algues. Donc, on va pas trop obligé à vous prendre, hein, juste pour enlever toutes les algues globalement qui collent partout, etc. Du chlore choc. Donc, ça, c'est vraiment pour un nettoyage choc ultra rapide, bien puissant. Ouais. Pour désinfecter en une fois, quoi, c'est ça? Exactement. Là, on est du chlore multi-action. Donc, là, c'est à mettre dans les skimmers. Ouais. Tout enlever aussi globalement. C'est des gros galets comme on met chaque année qu'on vous montre à chaque fois. Et ensuite du flocculant, ça c'est à mettre dans le filtre à sable. Et c'est pour clarifier l'eau. Donc, exactement. Moi, avec ça, ça doit être encore plus joli. On devrait avoir une magnifique eau claire. Donc le filtre à sable pour l'instant il fonctionne pas. Donc le filtre à sable, on va le remettre en route en même temps que toute la filtration, enfin la totale. Et tout le reste, Bob l'éponge, produits, etc. Ça c'est pour nettoyer globalement. Ça c'est pour les parois, ouais. C'est ce qu'on a fait déjà avec Swanou. Ouais. Bon, c'est parti. Allez, on se met. On y va. Allez, go. Allez, les potes, c'est parti. Alors c'est parti pour l'anti-algues. Donc là il faut en mettre tout le tour, justement pour éviter que les algues collent aux parois. Que hier quand on a brossé avec ça, on s'est rendu compte que ça avait collé de folie bien sûr. On a pu en enlever avec la brosse, mais pour les profondeurs, bah, il faut de l'anti-algues, on peut pas les atteindre. Allez, pieds presque. Voilà. Yeah, ça c'est fait. On voit déjà le produit qui fait des espèces de nuages. C'est un peu comme quand on met du lait dans le thé. C'est le chlore choc. Ouais, c'est parti. Donc ça c'est à mettre directement dans les skimmers. Là, on va mettre la dose. Hein. Ok, oui. On est quoi, c'est parti. Donc, Néo est en train de s'installer à côté du filtre à sable. Toi, du coup, tu vas allumer le bouton pour démarrer. Tu me dis quand c'est bon. Oh, vas-y, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ça y est, la filtration commence à se mettre en route. Alors bien sûr, vous n'en avez pas conscience en vidéo, vous avez l'impression que c'est immédiat, mais en fait on attend depuis plus d'une demi-heure. Oh là, ça fonctionne de partout, super. Et du coup, on est quand même bien rassurés que ça fonctionne enfin, parce que là, ça marchait pas et on commençait à s'inquiéter. Bon, déjà, on a tout au requise. Oui, on a arrêté l'eau, il y en a assez. Là, on est à peu près 2 heures après avoir mis les produits. Et il y a déjà une grosse différence, incroyable. Non, déjà, l'eau n'est plus noire. Du coup, c'est quoi la prochaine étape? On va récupérer des feuilles, laver un petit peu tout ça, voilà. Oui, on va continuer de récupérer les feuilles. On va regarder les skimmers aussi, ils en sont où? Avec la filtration, il se passe quoi? Bon, on va peut-être pas regarder maintenant. Hein. Mais... bon, il est temps de vider la brouette là-bas. La deuxième brouette déjà. Courage, Néo. Ouais. T'es sûr de toi, là? Ouais, tranquille. Non, tu mets toi à côté. Oh non. Ah, c'était prévu, désolé. Tu mets toi à côté. Mais pourquoi tu fais pas dans l'autre sens? Il faudrait faire dans l'autre sens. Oh là là. À l'envers. Il aurait mieux valu que tu fasses en marche arrière. Mais non, mais regarde. Oh là là, le chantier. Tout va bien. Ah non, pourquoi j'ai mis mes tongs dans les algues? Ah, c'est immonde, Néo, l'odeur. Affreux, horrible. Ça me donne faim, je t'en prie. Regarde, la brouette est vide. Et voilà. J'ai du coup tout descendu, sans problème. Mais non, et regarde l'état de tes pieds. Non mais c'est n'importe quoi. Et voilà. N'importe quoi. Alors on nous demande souvent d'ailleurs ce que sont devenues nos poules. Alors poules et coques, tout le monde va très bien, rassurez-vous, ils ont été adoptés par une personne très bien, très gentille, qui en prend soin. Et il y a même eu un poussin, on a eu des photos. Donc tout va bien. Allez go. Oh les escaliers, et va falloir que je repasse par là moi aussi en tong. Oh là là. Oh, l'état des marches d'escalier, c'est n'importe quoi. Bon, on mettra un coup de tuyau d'arrosage pour nettoyer tout ça. Oh là là, le chantier. Non mais là, c'est n'importe quoi, vraiment. Hein. En plus, il y a toutes les bestioles, les mouches et tout. Et c'est affreux, on dirait de la bouse de vache. Ah, bravo Néo. Hein. Me juge pas. Hein. Mais dégage la mouche, là. Bah c'est sûr, t'attires pas du tout les mouches en faisant ça, pas du tout. Alors pendant que Néo se lave les pieds, Swan essaye de ramasser les feuilles. C'est pas facile, hein. Autant la brosse hier, il s'est bien débrouillé. Autant là, il manque quand même un peu de centimètres, un peu de force. Rien. T'as rien ramassé. Ouais, merci.
Allez, Néo va te donner un coup de main là. Tu vois, regarde Swan, faut mettre ton épuisette au fond. Regarde comment il fait Néo. Hop, tu mets bien droit comme ça, au fond, voilà. Et après tu vas faire traîner l'épuisette au fond de la piscine pour ramasser les feuilles. Et tu vois, regarde Swan, en faisant ça, ça ramène des feuilles aussi à la surface. Et donc toi, Swan, tu peux prendre l'autre épuisette et tu ramasses celles qui sont à la surface. Ok, d'accord. Ça, c'est dans tes cordes. Et la couleur, vraiment, c'est déjà plus agréable, hein. Et on continue le nettoyage de cette piscine. Vous vous souvenez qu'on a que 4 jours? J'espère qu'on va y arriver, hein. Tadam! Mais qu'est-ce que t'as attrapé? Un poisson? Un monstre. Un monstre marin. Maintenant, c'est l'heure de mettre Bob dans la piscine. Voilà, le robot, enfin. Il va beaucoup nous aider. Allez, oui, c'est parti. On compte sur lui. Alors, faut d'abord le mettre dans l'eau, Néo, d'abord. C'est le moment de mettre Bob dans la piscine. Allez, Bob. Non. Au revoir, Bob. Non, Jack. Non. Allez, on le met en route. C'est parti. Donc là, normalement, c'est... Ah, erreur 10. Quoi? Attends. Vas-y, rappuie. Alors, vas-y, relance. Donc là, on part pour un cycle de 2h29. Et erreur 10. Wow. Ok. Ça marche super bizarre. On va aller demander à papa, ok? Ok, ouais. Bon bah du coup on a demandé à papa, il a fait bah, tout ce qui lui passait par la tête sur le robot. C'est dur de l'avouer mais Bob nous a quittés. Non, pauvre Bob. Jamais Bob. Bon, va falloir se débrouiller sans Bob. Ça c'est vraiment une mauvaise nouvelle. Bon bah on va ressortir Bob de la piscine. Voilà. Bon Néo, à cette Bob. Et comment vous dire qu'au moment où on tourne cette vidéo, on est bien sûr sur un week-end avec jour férié. Et que le pisciniste, bien sûr il est fermé. Bon, on va faire sans Bob. Allez, voilà. Ouais, bah ouais, allons-y. Hein. Déjà qu'on a que 4 jours au lieu de 7. C'est vous, ça les robots chaud. Là. Allez, let's go. On s'y remet. Allez. Et bah, ça mousse. Ah, oui, il n'y a pas à dire, hein. Ça mousse bien. Alors, avec les produits, oui, c'est assez bizarre. Ouais. On dirait des plaques de glace, on dirait la banquise un peu. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a de la mousse là. Vous avez beaucoup, vous? Ouais. Ouh là là. Wow. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça déborde. Alors, effectivement, on voit que toute la mousse rentre là-dedans. C'est marrant quand même la consistance là. On dirait que c'est hyper épais. En fait, c'est de l'eau, bien sûr. Et nous sommes au troisième jour. Yeah. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis hier? Alors, l'eau est devenue plus claire. Bleu, peut-être pas, mais... Soigne est optimiste. Voilà, Soigne, il attend une piscine turquoise. Par contre, on ne voit pas du tout le fond. Alors, on pensait qu'aujourd'hui, on pourrait voir le fond et que ça nous aiderait pour manier les épuisettes et attraper un maximum de feuilles. Mais c'est pas le cas. Et puis, ben, on a retenté de faire fonctionner Bob et... Aïe, Bob, non. Il nous a définitivement abandonnés. Et je vous rappelle qu'il faut que la piscine soit en état demain. Facile. On va voir si on y arrive, c'est un sacré challenge, hein. Ok, du coup. Maintenant, on va mesurer le pH de l'eau. Voilà. Le fameux pH. Je vous explique. Alors... Déjà, on a des petites bordelettes. Exactement, comme celle-ci, voilà. En gros, Néo, tu vas tremper dans l'eau pendant 5 secondes. C'est ça. C'est parti. Allez, hop. Il faut la bouger dans l'eau, hein. C'est ça. Hop là. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Allez hop, on secoue. Et du coup, on est à combien? Regardez les potes, on a ici la mesure. Donc du coup, on est jaune. Donc voilà, on est plus sur cette couleur là. Là, bien blanc. Et ça dit du coup que c'est trop faible. Et par contre, que c'est trop acide. D'accord. Donc niveau chlore, on est trop faible. On va pas en mettre plus, c'est une bonne nouvelle. Par contre, la piscine est toujours trop acide. Donc ouais. Difficile d'aller dedans pour le moment. On va voir, effectivement. Mais ça veut dire qu'on va pouvoir rajouter du chlore pour essayer de la ravoir. C'est ça, c'est déjà ça. Parce que le pH pour le moment n'est pas suffisant. N'est pas assez élevé. Donc le bon pH, c'est combien? C'est alors... Non mais ça, vous devriez le savoir. Ah, oh, ça va, c'est bon. Attends, on l'a 0,5. On l'apprend à l'école, hein, on l'apprend au collège, hein. Et en plus vous avez une piscine et chaque année on en reparle. J'ai oublié. Ça doit être genre 1. Mais non. Oh mais soit c'est le truc sous les yeux là, c'est 7. C'est 7 le pH équilibré. Ah. Et vous 7,4, voilà. L'idéal c'est 7. Swan, franchement. Bon, on continue. Ok, donc on va remettre du chlore, allez. Here we go. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le skimmer? Bon non, il n'y a pas grand chose parce qu'on a été il n'y a pas longtemps. On va enlever les feuilles. Et qu'est-ce que vous allez mettre dedans du coup à la place des feuilles? Un galet de chlore. Donc là, c'est un galet. Voilà, mais enfin, on en met un gros pour l'instant, mais on va en rajouter d'autres. C'est un bas-bombe. Bas-bombe, exactement. Parce que là, vu l'état du pH, on peut encore y aller en termes de chlore. C'est ça, par contre, je galère pas du tout, comme on peut le voir. Allez, on va y arriver. Cette fois, c'est la bonne. Super. Allez, hop, on rebouche. Et c'est bon, on va s'occuper de l'autre. Et le deuxième galet.
Allez, on espère que ça va aider. Qu'est-ce que tu manges? Rien. Swan, le dis pas, s'il te plaît. Des chips? Non. D'accord. Voilà. Quoi. C'est la fête, hein. Alors, qu'est-ce que c'est, ça? Ce sont des chaussettes. C'est que pour j'ai toi? Portées pour moi, bien sûr. Non. C'est pour les skimmers. C'est pour, en fait, les paniers. Les chaussettes filtrantes. Alors, normalement, c'est censé filtrer encore mieux. C'est pour qu'elles aient pas froid. Voilà, pour l'hiver. Alors, je pense que ça va plutôt de l'autre côté, Néo. Ouais, ça va, merci. C'est pour ça en dessous. Voilà. Alors, est-ce que c'est facile de mettre une chaussette? Alors, ça a des gros pieds, des gros panards. Ah bah voilà. Yes. Hop, et voilà. Donc, on va équiper le deuxième et ça va être bon. Allez, deuxième chaussette. On n'avait pas ça les années précédentes, mais voilà. C'est pour changer. Petite nouveauté, on va tester. On verra si c'est efficace ou pas. On vous dira. Ça y est? Ouais. Et voilà. C'est bon pour le deuxième aussi. Et c'est reparti pour les épuisettes. Voilà, et Soinou, lui, prend les feuilles à la surface. Travail d'équipe. Yeah. Allez, ça prend forme quand même. Maintenant, on va mettre le floculant dans les skimmers de la piscine. Dans les skimmers. Dans les skimmers à chaussettes. Oui, ah voilà, oui. Exactement. Allez, go. C'est parti. Néo, t'en mets 4 du coup ici. Ok. 1, 2, 3, 4. Maintenant que vous avez commencé à bouger les feuilles, c'est assez ignoble. Hein. Ah ouais, tout de suite, ça change. C'est moins sympa que tout à l'heure finalement. Allez, on fait le deuxième skimmer. Hop, 1, 2, 3, 4. Allez, c'est fini pour le floculant. Voilà. Bon, ici on a un karcher du coup, donc c'est un méga pistolet là-haut. C'est parti, regardez l'exemple. Un méga pistolet là-haut. Dans ma tête, ça sonne comme ça. Et ça va surtout nous permettre d'enlever toutes ces mauvaises herbes qui n'ont rien à faire là. Ouais, se sont un peu trop installées là ouais, pendant l'année. Ouais, ils un peu en fait. Hein. Ouais, ils ont pris leurs aises. Et regardez comme ça prend forme. Donc, Néo qui s'éclate avec son karcher là-bas au fond. Ouais, d'accord. Regardez ça. Et ça va mieux déjà, hein, bravo. Hein. Oh là là, c'est début de désherbage, mais c'est pas fini. Il y en a encore un petit peu. Et puis avec l'épuisette, bah, ça avance. Mais alors, il y en a encore beaucoup hein, ouais. À enlever. Mais on avance le plus possible. Et c'est demain, jour 4. Le dernier jour. Dernier jour. Bon. J'espère que ça ira. Hein. Donc c'est quoi le programme là? Bah on continue jusqu'à ce qu'on y voit assez clair. Tu veux dire jusqu'à ce qu'on n'y voit plus assez clair? Oh ouais. C'est ça l'idée? Ouais, ça va ça finalement. Ok, donc encore quelques minutes d'effort. Allez. Et puis on s'arrête et on reprendra demain matin. Voilà. Allez, on continue, jour 4. Et Soinou continue avec l'épuisette. Bon, vous voyez que la couleur de l'eau est bien meilleure. On vous fera un plan global à la fin. Là, il y a encore pas mal de choses à faire. En fait, du coup, j'ai vérifié quand je mets l'épuisette tout au fond, on la voit un petit peu. Ah, ça commence à être sympa alors. On a trouvé un aspirateur du coup qui va pouvoir remplacer Bob pour laver la piscine. Alors, Swan, on l'appelle comment? Que dis-tu de Michel? C'est pas très original, hein. Je vais l'appeler Igor. Igor l'aspirateur. Igor l'aspirateur. Parti. Alors, comment ça fonctionne? Bonne question. Donc, faut qu'il soit immergé. Ok, ça commence bien, on sait pas du tout comment ça marche. C'est bon, il marche là. Alors, en fait, on vient de nous expliquer qu'il marchait quand il était immergé. Voilà, donc là, normalement, il doit fonctionner. Voilà. Tu sais qu'il fonctionne ou pas? Ouais. Ah oui, il tremble, d'accord, il y a des petites vibrations. Et donc, ça fonctionne comme un véritable aspirateur. Il va aspirer les impuretés. Les algues, tout ça. Vas-y, passe bien sur le bord pour qu'on voit s'il fonctionne. Ah oui, si, voilà. On voit que ça enlève la partie verte. Ah, tant mieux. Donc la différence avec le robot, c'est que le robot, il était complètement autonome, alors que lui, bon, ben, c'est à nous de le passer, quoi. Ah, c'est ça. On va voir s'il est efficace quand même. Voilà. Donc du coup, premier passage, on va voir ce que ça donne. Alors Igor, t'as bien mangé? Ouais, c'est déjà pas mal, dis donc. Ça fait juste un tour. Ouais, c'est efficace quand même. On continue. Tadam. Waouh, il y en a beaucoup, hein. Bon, c'est un bon début. Regarde, le filtre est déjà bien sale. Ah ouais, je Allez, vois ça. C'est bon, Néo, tu vas pouvoir y retourner. Ah oui, effectivement. Hein. Igor a l'air efficace. Faut juste un peu d'huile de coude, à la différence de Bob. Voilà. Et allez. A few moments later. Bon, on est au quatrième jour, on va pouvoir se baigner. Et du c'est coup, la bonne nouvelle. On va remplacer ce thermomètre qu'un qui est très très sale. Hein. C'est l'heure de la retraite pour lui. Hein. Ouais, bah c'était celui qui était dans la piscine sale. C'est voilà. Ça. Et on a un nouveau thermomètre, c'est maman qui a choisi, ça se voit. Oui. Un thermomètre icorne. Et celui-là, il est tout propre. Beau. Voilà, il va aller très bien avec la nouvelle couleur de la piscine. Here we go. Je vais lancer un petit peu loin. C'est même si on veut voir la température. Mais oui. Oups.
Ah, voilà. Comme ça, on va savoir quelle est la température de l'eau. Et à 10 degrés. Bon, normalement, elle doit être pas mal. Par contre, elle n'est pas chauffée hein, pour l'instant. On n'a pas mis le... on n'a pas mis la pompe à chaleur, donc elle n'est pas chauffée. Mais elle était quand même assez chaude avec la bâche. Ouais. Et puis, il fait hyper chaud dehors. C'est sûr. Alors, à combien est-elle 27 ans. 27. 27 bon, degrés. Waouh. Okay. Faut y aller quand même. Super. C'est abordable. Bon, Swan, c'est bon, je te jette dedans. Déjà. Tu veux y aller petit à petit, c'est ça, comme un petit papy. Une tremplifiée. D'accord. Voilà. Elle est super froide. Non, je rigole. Mmh. Vas-y, Léo. Allez, c'est parti. On y va progressivement. Voilà, progressivement. Wow, qu'est-ce que tu essaies de faire là? Swan, okay, par contre, Swan, je veux bien que tu enlèves les lunettes neuves que tu as depuis hier. Ça serait bien qu'elles finissent pas au fond de la piscine. Merci. Waouh, elle est froide un peu là. Allez, c'est parti, moi je saute, Swan. Oh. 3, 2, 1, let's go. Wouah, elle est bonne, Swan. Allez, Swan. La petite licorne t'encourage derrière, regarde. Ouais. Bah 27, ça va quand même. Tranquille. Mais tranquille. C'est vrai que... Voilà. Ça va le faire? Allez, je suis presque. Avec les épaules. Ouais, ça y est. Swan. Ouais. Nous, dedans, c'est bon. Je suis Manéo. T'es le. Have a go. Swan, t'es lourd quand même. J'ai du mal, je me noie. Alors, c'est une piscine propre. Trop cool. Non mais génial. Bon bah ça y est. Alors effectivement, on n'avait que 4 jours. Donc on voit qu'elle n'est pas totalement transparente. Quasiment. Voilà, quasiment. C'est sûr qu'en une semaine, ça serait mieux. Mais bah, les 3 prochains jours, ça va être de mieux en mieux. Voilà, c'est ça. Déjà, vous pouvez vous baigner. Donc ça, c'est cool. Ouais. Alors, est-ce que le challenge est validé? Ouais, c'est bon. On considère que oui. Allez, on considère que c'est réussi encore pour cette année. Bah la scène, ça t'a plu? Ouais, c'est cool. Franchement, trop cool. Moi, j'ai bien aimé le nettoyage. Franchement, c'est satisfaisant. Oui, c'est vrai. C'est pas toi, mais moi, ce serait grave satisfaisant. Oui, puis vous avez encore plus participé que les autres années. Ouais, c'est donné à fond. Néo et Karcher, soit on a fait plus de choses aussi. Ouais, ouais. Plus vous grandissez, plus vous êtes actif pour le nettoyage de la piscine, c'est très bien. Voilà, c'est parfait. C'est ouais. Et c'est bien, après, vous êtes récompensé de vos efforts. Bah ouais, ça se fait. Hein. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Passez au. Et surtout, pas le gros. Bisous. En vous. Bye bye tout le monde. Bye. Plein de gros bisous. Bye bye. À la prochaine. À la prochaine. Bon été à tous.